Mes thématiques de recherche couvrent principalement la thématique de l'évaluation environnementale de la mobilité des personnes. J'utilise deux méthodes dans mes recherches. La modélisation donc, des mobilités avec des modèles transport-urbanisme qui considère à la fois la localisation des agents et aussi leur déplacement au cours d'une journée, ainsi qu'une méthode d'analyse de cycle de vie qui permet de prendre en considération les modes de transport en intégrant l'extraction des matières premières, mais aussi leur fin de vie, leur cyclage de certains des matériaux. Les travaux au sein du Lab Recherche Environnement peuvent permettre à des promoteurs, des architectes et des aménageurs de repenser le quartier pour réduire les impacts environnementaux de la mobilité, notamment en réorganisant l'emplacement des bâtiments, en gérant différemment le stationnement ou en proposant des nouveaux services de mobilité type autopartage ou micromobilité avec des trottinettes, des vélos. Mes différents travaux de recherche m'ont montré que les solutions technologiques telles que les véhicules électriques ou les agrocarburants n'apportent pas forcément les bénéfices environnementaux souhaités, alors qu'il est donc préférable de songer à des solutions plutôt de démotorisation et de changement de mobilité, avec notamment des reports vers des micromobilités ou vers le transport en commun ou le covoiturage pour réduire l'usage de la voiture individuelle.